por estar contigo, aunque sea por un momento. Y no encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón. Solo sé que yo a tanta inspiración, y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Oh, y todo lo daría tan solo por un beso, y todo lo daría por estar contigo, aunque sea por un momento. No encuentro las palabras que la logren definir, pero lo único que entiendo es que yo muero por ti. Y no encuentro palabras para definirte, mi amor, palabras que solo sabe el corazón, palabras que solo sabe el corazón. Tu sais ce qui m'inquiète, Valéria? Hmm? Qu'il y a peut-être une femme, là, qui attend un enfant qui est à moi. Si Anna Julia fait appel à une mère porteuse, alors ce bébé devrait bientôt naître, s'il n'est pas déjà né. Valéria, Valéria, tu étais sa confidente. Si à un moment elle t'a révélé quelque chose, dis-le-moi, s'il te plaît. Non, non, Reynaldo, elle ne m'a rien dit. En plus, ce que tu me dis me vexe profondément, tu ne te rends pas compte. Tu crois vraiment que si je savais quelque chose comme ça, je ne t'aurais rien dit. Tu me crois à ce point inconsciente. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais je ne sais pas, vous étiez tellement amis, vous vous racontiez tout. Peut-être t'a-t-elle dit quelque chose, mais t'as fait promettre de ne rien dire. Non, Reynaldo, écoute, je crois que ce que tu veux, c'est un autre enfant. Que, au fond de toi, tu n'es pas heureux avec Andrea Carolina. Que tu continues d'avoir envie d'un enfant d'Anna Julia. Non, 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 mon amour, non, 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 ne dis pas ça, ne dis pas ça, d'accord? S'il te plaît, ne dis pas ça, non, non. Tu sais bien quelle est la plus belle chose que m'ait donnée la vie. Pardonne-moi, d'accord? Pardonne-moi. Pardonne-moi, ma chérie, pardonne-moi. Oublie ce que je viens de te dire, je te promets que je ne te parle plus de ça, d'accord? Il était écrit que vos chemins se croiseraient, que tu serais lumière dans la pénombre, et loi dans l'injustice de vos poursuivants. Eh oui, mon vieux, bien sûr que nous sommes poursuivis. Et pas par des enfants de cœur. Oui, c'est pour ça que nous ne voulions pas accepter l'invitation de votre fils, de venir jusqu'ici, parce que nous ne voulions mettre personne en danger. Tu as été là où il faut et quand il fallait pour aider mon fils. Grâce à Dieu Tout-Puissant, c'est pour cela que vous êtes venu ici, au cœur même de la jungle, où vous serez protégé. Il vous faut respecter les esprits anciens. Qui veut prendre cet enfant à Shari? Et toi, qui es-tu? Elle est certainement avec son mari maintenant. Et son enfant doit certainement être né. Ne fais pas attention, Benjamin. C'est un mensonge. Ah, et pourquoi crois-tu que je te raconte des mensonges, hein?
Eh ben parce que... Allez, va-t'en, va-t'en, je ne veux plus continuer à écouter tes mensonges. Mais non, non, je te dis la vérité, ma grande. Bien sûr que si. Tu ne sais donc pas que Sébastien n'a pas de père? Que Sébastien n'a pas de quoi? Charine, non! Et qui t'a dit ça? Lui? De l'eau et du sucre. De l'eau et du sucre. De l'eau et du sucre pour que tu te relaxes un peu, ok? Et du calme, ma petite poupée. Parce que si Maruja arrive à siéger au sein du comité exécutif, cela n'a rien de dangereux, vraiment. Parce que, écoute bien, finalement, celui qui prend les décisions dans cette clinique, c'est mon père. Et tu crois que mon père va laisser faire une chose de ce genre contre son rejeton? Bien sûr, contre toi non, parce que tu es son fils, mais moi... Toi non plus, ma reine, pour l'amour de Dieu, hein? Toi non plus, parce que mon père va bientôt savoir que tu es la maîtresse de mon cœur. Et la maîtresse de mon lit. Ma famille t'aime beaucoup. Tu penses qu'elle va laisser Maruja te marcher dessus comme ça? Ah, oh, je ne sais pas, Juancho, écoute, j'espère que ce sera comme tu le dis, tu entends? Parce que pour moi, c'est clair, elle te donnera le divorce en échange des actions. Imagine donc, dis-moi qui mène la danse, là. Bon, ma belle, tu sais que... Ma belle! Hé, hey, hey, mon baiser! Pas de baiser! Juancho, bouge-toi les fesses. Trouve un moyen, invente un truc pour convaincre ce superbe docteur. D'accord? Parce que sinon tu vas tomber de bien haut. Le territoire Peymon, il le tient. Merci. Tenez, madame. Je... Merci. C'est pour vous. Mais... Monsieur... Non. Je pense que vous n'allez pas me croire, mais... J'ai vu de nombreuses fois cette fleur dans mes rêves. J'ai déjà senti cette odeur et... Et c'est comme si... Comme si j'allais me souvenir de quelque chose. Mais... Il ne se passe jamais rien. Ce n'est pas ta tête qui va découvrir ton passé perdu, mais bien ton cœur. Laisse-le flotter sur le grand fleuve du temps. Ça me rend triste de jeter ces fleurs que personne ne regarde plus. Tu sais que c'est grâce à ces fleurs que mon docteur a pu séduire Anna Julia. Vraiment? Raconte-moi un peu cette histoire. Ah, allez, quelle commère. Ah, c'est bon, je te raconte. Martina m'a dit qu'elle adorait ces fleurs-là. Elle faisait un stage quand ils se sont connus en Amazonie. Et il s'est rendu compte qu'elle aimait ces fleurs. Et il a décoré la pirogue où ils habitaient. Et c'est ce jour-là, quand elle a vu toutes les fleurs, qu'elle est tombée amoureuse. Ah, qui résisterait à tout ça? Oh, elle raconte que ce jour-là, Reynaldo lui a volé son cœur. Ah, oh, que c'est beau. C'est pour ça que Martina vient toujours décorer le bureau de la défunte avec toutes ses fleurs. Bon, allez, mesdames et messieurs, on va se remuer un peu pour terminer, parce que ça suffit, là, stop. Regarde, le docteur va arriver avec son épouse et la petite... Oh, je meurs d'envie de la connaître, parce qu'elle doit être toute ronde et rose, aussi belle que moi. Allez, dépêche-toi. Princesse, petite princesse, tu veux bientôt découvrir ta maison, Oui, Andrea Carolina. Là où on va faire tous tes caprices, où tu grandiras et tu deviendras belle et intelligente comme ta maman. Tu as vu les expressions? C'est comme ça que j'aime te voir. Vraiment heureux, aux côtés de ta fille, de moi. Qui est belle. Ah, mon amour, belle. Tranquille, sans toutes ces angoisses, sans tous ces soucis. Mon amour qui nous mêle nulle part. Tu te rends compte? Comme nous sommes heureux. Oui, tu as raison, mon amour. Et pardonne-moi d'avoir été mal lunée, d'accord? Ah, mais non, mon amour. Toi, pardonne-moi pour m'être autant énervée, d'accord? Et justement, comme on parle du sujet, tu ne crois pas que si Anna Julia
avait vraiment fait appel à une mère porteuse, j'aurais été la première à le savoir, tu ne crois pas? Bien sûr, en plus, elle m'aurait demandé de rencontrer cette femme, que je l'aide à rédiger les principes légaux et... Mais bon, je ne sais pas, tu imagines? Oui. Et si elle l'avait fait quand même, si vraiment elle l'avait fait seule, la logique voudrait que cette mère porteuse m'ait recherché. Bon, stop. Stop. Voilà, tout ça, c'est du passé. On va se concentrer à consolider cette famille avec ce petit ange qui est notre fille, pas vrai, ma petite bouille. Vraiment? Sébastien t'a dit qu'il n'avait pas de père? C'est la vérité? Bon. Alors je suis vraiment désolée de devoir t'apprendre que si, il a bien un père et que cet homme s'appelle... Ça ne m'intéresse pas. Sébastien ne fait plus partie de ma vie, alors tout ce qui a à voir avec lui ne m'intéresse plus. Qu'est-ce que vous cherchez avec tout ça, mademoiselle? Lui éviter un problème et de cette façon m'éviter un problème. Sébastien et son père ont l'argent et le pouvoir nécessaire pour te retirer ton enfant s'ils en ont envie. Charlie, après tu ne pourras pas dire que je ne t'ai pas prévenu, ok? Paola. Attends. Benjamin, laisse-moi. Laisse-moi seule une minute avec elle, s'il te plaît. Charlie, écoute, je ne crois Benjamin, pas que... Benjamin, s'il te plaît. Oui, ici, à la Grande Sabana, avec Paola et mon père. Non, après, je te raconte. Moi, ce que je veux, c'est rentrer à Caracas vite, mon pote. Moi, tout cela me fait trop penser à Charlie, qui, sans doute, doit avoir accouché. Mais bon, mon pote, et alors? Jusqu'à quand tu vas faire ton mauvais trip? Qu'elle ait accouché ou pas, c'est pas ton problème. Cela regarde son mari, pas toi. Parce que j'imagine que c'est bien clair que ce garçon n'est pas le tien, pas vrai? Oui, bien sûr, bon. Je ne lui ai pas demandé, mais... Pourquoi donc? J'en avais pas besoin. Comment ça, tu lui as pas demandé? Mais bon, elle t'a pas dit que ce type était son père, alors? Non, nous n'avons pas parlé de ça. Mais bon, je suis arrivé, je l'ai vue et enceinte. Au bras d'un mec, et pour moi, c'était bien clair. Qu'est-ce que tu voulais, hein? Que je fasse le coq et lui demander si l'enfant était de moi? Pff, écoute, avec la rage que j'avais en moi, s'il te plaît. Bon, mon pote, je sais pas. Écoute, moi, à ta place, je l'aurais demandé. En fait, c'est pour ça que tu as été, non? Alors, les choses sont claires, mon frère. Comme tu dis, un nouveau mari... Une fille légère tombe vite enceinte. Mais bon, mon frère, reviens vite parce qu'on a plein de boulot par ici. Reviens vite. Charlie, tu n'es pas une fille bête. Je m'en suis rendu compte quand tu as laissé repartir Sébastien pour qu'il puisse faire sa vie en ville. Ça s'appelle être intelligente. C'est pour ça que tu dois à nouveau m'écouter. Sébastien est capable de n'importe quoi pour te retirer cet enfant. Mais pourquoi? Pourquoi veulent-ils m'enlever mon bébé? Pour l'emmener en Italie, Charlie. Pour l'emmener en Italie, car bientôt, nous allons là-bas. Non, 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 non. Il ne peut pas me séparer de mon bébé. Et encore moins pour l'emmener à l'étranger. Il ne peut pas faire ça. Je suis sa maman et la loi me protège. La loi dit que les enfants doivent être avec leur mère. Ah, Charlie, mon Dieu, ne sois pas naïve, ma pauvre chérie. Avec l'argent qu'ils ont, ils peuvent faire absolument tout ce qu'ils veulent. Dis-toi bien qu'ils vont te prendre ton fils. Non, non. Et qu'est-ce que tu gagnes, toi, à m'aider, hein? C'est clair, Charlie. Si je ne t'aide pas, Sébastien va me refourguer cet enfant et fera en sorte que je m'en charge. Oh non, 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 écoute, je suis trop jeune pour prendre en charge un marmot. Et encore moins l'enfant d'une autre femme. Écoute, moi je fais ça le plus vite possible pour pouvoir trouver une solution. Parce que sinon, toi et moi, on sera perdantes, Charlie, vraiment. Sébastien est ici, n'est-ce pas? Oui. Cet endroit est vraiment joli, n'est-ce pas? Oui. Oui, oui, j'adore. L'énergie que l'on respire ici, c'est si chaleureux, si joli. Le chaman est un être si spirituel,
Si, si. Je ne sais pas comment le décrire. Si profond, non? Bon, au mieux c'est ici que se produira le miracle. Et peut-être qu'enfin tu récupéreras la mémoire. J'espère bien. Mais bon, en même temps, ça me fait un peu peur. Tu sais quoi? À moi aussi. Mais je t'aiderai à l'affronter. Quoi qu'il en soit, Choyo, écoute. Sinon, ça restera comme une ombre entre nous. Alors moi, je préfère que tu retrouves la mémoire. Comme ça, ce sera la fin de cette histoire. Non. Corinna, j'étais morte de peur au moment où Reynaldo m'a dit que... Imagine qu'il pensait qu'Anna Julia avait décidé de faire appel à une mère porteuse, que sur cette terre il pouvait y avoir une femme avec un enfant à lui. Tu te rends compte? Ah, moi cette histoire me donne la chair de poule, Valeria. Ah, je ne sais pas. Je crois que qu'à un moment ou un autre, cette histoire va nous exploser à la figure. Oui, mais je ne t'ai pas encore tout raconté. Tu sais, il a également parlé de l'échantillon qui a été perdu dans ton laboratoire. Oh, tu vois, ma grande, tu vois, je le savais. Reynaldo va me haïr et ne va jamais me le pardonner, Valeria. Oh, s'il savait, hein. S'il savait ce qui est arrivé à cet échantillon. Ah oui. Et ce qu'il en est advenu, n'est-ce pas? Il est devenu magnifique, cet échantillon. Tu crois pas? Ce cadeau que nous a donné le ciel. La plus belle chose au monde, la présence d'Andrea Carolina. Ah, Corinna, comment je pourrais lui dire sans qu'il me déteste? N'est-ce pas, mon cœur? Tu as chaud? Tu veux que je t'enlève ton petit bonnet, bébé? Oui, attends. On va l'enlever comme ça. Du calme. Oh, qu'est-ce qui se Corinna. Passe oh. Corinna, c'est quoi, ça? Viens ici, viens. Rapproche-toi. Regarde ce qu'elle a dans le cou. Ah, c'est Reste vrai. Reste tranquille. On dirait un grain de beauté. Non, on dirait pas un grain de beauté. C'est un grain de beauté. Ah, Corinna... Ah, Corinna, c'est le même grain de beauté qu'Anna Julia. Quoi? Ne sois pas triste, ma puce. Allez, Machuyu. Non. Tu vas voir que tout va bien se passer. En plus, ce grain de beauté que tu as, mon cœur... C'est quoi, ça? Un grain de beauté? Un magnifique grain de beauté. C'est Laisse-le. Étrange. Mais laisse-le. Je n'avais pas fait attention à ce grain de beauté. Tu ne savais pas que tu avais ce grain de beauté? Non, mais si tu l'aimes tant, je t'en fais cadeau. Tu as vu qu'ici, j'en ai un autre, ce non? Ce grain de beauté à toi. Celui-là aussi, je t'en fais cadeau. C'est joli, un grain de beauté. Oui? Oui. Maintenant, je le cherche s'il est encore là. Il est là, regarde, ici. Ah, ma fille, mais tu es sûre qu'Anna Julia avait un grain de beauté semblable? Bien sûr. Qui mieux que moi le saurait? Je la connaissais tellement bien. Si, à chaque fois qu'elle s'attachait les cheveux, il se voyait très bien ici. Reynaldo disait toujours qu'il était la marque de fabrique des Briceño, parce que Rebecca et Maruja l'ont aussi. Ah, ma grande, tu imagines que Reynaldo s'en rende compte? Ah bon, ma fille, on va se calmer. Calme-toi, on verra bien. On verra bien, c'est sûr. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je laisse cette petite avec une écharpe toute sa vie? Je peux pas. Ah, ma chérie, bon, ce n'est peut-être pas un grain de beauté, c'est sûrement une de ces tâches qui s'effacera dans quelques jours. Ah, ma chérie, bon, je vais m'en aller, mon fiancé m'attend. Tiens, voilà, l'occasion de changer de sujet. Alors maintenant, tu l'appelles ton fiancé, hein? Je ne comprends rien à tes cachotteries avec ce type qui doit être divorcé, théoriquement, je l'espère pour toi. Pourquoi tu ne m'as rien dit? Ah, ma puce, c'est que bon, quand tu sauras qui est cet homme... J'imagine que tu vas tomber des nues. On se voit plus tard, d'accord? Sébastien est à l'hôtel avec son père et se prépare à réclamer la garde de cet enfant. Et toi, comment tu m'as trouvée? J'ai demandé. Il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux par ici.
Et eux, ils ne vont pas tarder à te trouver, Charée. C'est que c'est impossible. Ils ne prendront pas mon fils. Hein, impossible. Ils vont plaider que tu ne peux pas t'en occuper. Pourquoi ? Parce que tu es aveugle, parce que tu es seule, parce que tu ne travailles pas. Tu ne peux pas couvrir les besoins élémentaires dont a besoin un bébé. Non, c'est impossible. C'est impossible. Ils ne peuvent pas me faire ça. C'est impossible. Ah, écoute-moi, Charée. Chut. Écoute, je ne sais pas. Moi... La seule chose à laquelle je pense, qui pourrait peut-être... Ah, Charée, ne pleure pas. Écoute, il faut convaincre Sébastien que cet enfant n'est pas le sien. Mais si, si, c'est le sien. Ah non, stop, calme-toi, ils te l'enlèveront, Charée, c'est du sérieux. Inscris-le avec un autre nom. Et comme ça, la justice ne pourra jamais démontrer que Sébastien est le père de l'enfant. Allez, Charée, vraiment, écoute-moi. Réfléchis. Réfléchis. En fait, vraiment... Franchement, je ne t'attendais pas. Je me rends bien compte que tu as changé, non? Je te dis bonne chance avec ta nouvelle famille. Quel imbécile, mon pote! Pourquoi ne lui as-tu pas demandé en face? Ce serait possible, mon Dieu. Ce môme serait peut-être le mien, mon pote? Benjamin! Sébastien veut me prendre mon fils. Lui et son père ont tout un plan pour m'enlever mon enfant. Arrête, Charée, écoute, je ne sais pas grand-chose sur les lois, mais j'ai entendu qu'il est vraiment pas facile de retirer un fils à sa mère. Ah, mais à des gens qui n'ont rien, comme nous, c'est très facile. Et face à nous, ces gens pleins d'argent, ces gens font la loi. Tu ne vois pas que ces gens vont plaider que je suis une misérable qui n'a rien pour élever son fils et qui n'aura pas les ressources nécessaires pour le faire. Mais... Tu as ton père, Charée. Ah, mon père ? Et il est où, mon père, hein, Benjamin ? Il est où, mon père ? Où il est ? Les choses ne jouent pas en ta faveur. Tu sais, tu peux compter sur moi, ok ? En plus, il doit bien avoir un moyen de faire une chose pour empêcher ces gens de s'emparer de ton garçon. Paola dit que si j'inscris l'enfant sous un autre nom, Sébastien ne va pas pouvoir prouver qu'il est le père. Un autre nom ? Alors on va l'inscrire avec le mien. C'est vrai, Benjamin? Tu ferais ça pour moi? Pour toi, je ferais ça. Et bien plus, Charée. Comment ça va, Rujo? Bonjour. Bon appétit. Merci. Eh ben dis donc. Eh mince. Vous êtes toujours aussi bien accompagné. Mais comment ça, Rujo? Attention à ce que vous dites, cela pourrait être mal interprété. Je suis accompagné de cette femme qui compte beaucoup pour moi, de loin, plus que n'importe qui. Voici le docteur Corina Pereira, la spécialiste de la fécondation, la plus renommée de la ville. Ah, félicitations, docteur. Merci. Corina, voici mon grand ami, Arojo. C'est un plaisir. Moi de même, docteur. Je reviens de suite, je vais prendre du champagne, parce qu'aujourd'hui... On a de bonnes raisons de trinquer. Champagne ? Pourquoi ? Qu'allons-nous célébrer ? Hé ! Du calme, poulette ! Tu vas vite le savoir ! C'est une surprise. Arojo, viens avec moi ! Bravo, docteur ! Bienvenue. Faites merci. Comme chez vous, n'est-ce merci, pas ? Merci, c'est très aimable. Ah, mais... Et à celui-là, que lui arrive-t-il? Champagne et tout le tralala. Oh, c'est beau. Arojo, fais le maximum, parce que Stephen, aujourd'hui, doit être le champion. Trouve une bonne bouteille de ces délicieuses qu'on trouve par ici, ok? Oui, d'accord. Pendant que je regarde, et on a l'air de préparer d'excellentes choses par ici.
Que se passe-t-il, hein, Rojo? Tu as les yeux prêts à sortir des orbites. Allez, c'est pour sûr, aujourd'hui. Bien sûr. Allez. Regarde où tout cela nous mène, mon petit loup. Que vais-je faire de toi, Juancho? Juancho qui m'envoie un petit message. Ça, c'est bizarre. Voyons voir. Ma petite princesse, tu as repensé à notre affaire, n'est-ce pas? Comme ça... Je ne me battrai pas pour le divorce, parce que je sais que je ne te mérite pas. Tu es la meilleure. JT? Ah oui. Je t'aime, bien sûr. On y croit toutes. Juancho, que vais-je faire de toi? Que vais-je faire avec toi, mon prince? Je vous la mets à table, docteur. Non, n'y pense même pas. Attends, j'attends d'abord une réponse d'une autre. Voilà. Excusez-moi, mais il vous reste du temps, docteur. Là, à votre table, une superbe femme vous attend. Et en plus, vous avez une autre femme en attente sur votre téléphone. Eh, mon frère. C'est de la frime. C'est de la frime. Il est arrivé. Hey. Tu calmes, Juancho. Je te préviendrai. Oui, je vais y réfléchir. À très bientôt. Amuse-toi bien. Bise. Génial. Quelle chance! Ils ont vraiment de la chance! C'est de la frime! De la pure frime! Excuse-moi, on se voit plus tard. Je vous en prie. Pardonnez-moi toutes les deux! Quel imbécile! Incroyable! Mon amour, je ne les laisserai jamais nous séparer, tu entends? Je te jure que nous serons tous les deux pour toujours, alors ne t'en fais pas. Mon Dieu, c'est peut-être mon enfant. Et dodo, cola mon petit frère fait. Qui est là? J'ai demandé qui était là, répondez-moi s'il vous plaît. C'est moi, Thierry. Va-t'en, Sébastien. Va-t'en parce que si tu ne pars pas, je crie de toutes mes forces, va-t'en. Je n'ai pas peur. N'aie pas peur, il s'en va. Va-t'en. Mon beau-père est sorti de la clinique, non? Ça veut dire que l'on peut partir, n'est-ce pas? Oui, madame, je vais prévenir le pilote pour qu'il se prépare. Ah, super, parfait. Alors je vais prévenir Sébastien, d'accord? Madame, Sébastien n'est pas là. Comment cela? Sébastien n'est pas là? Non, ça fait un petit moment qu'il est sorti. Il est sorti. Stop, du calme, Chari, s'il te plaît. Je ne veux rien faire à l'enfant, N'aie pas peur, il s'en va. Je veux seulement savoir comment il s'appelle. Il est magnifique, ton enfant. Dis-le-moi, s'il te plaît. Va-t'en, Sébastien, va-t'en. Pars. Chari, s'il te plaît. Je t'ai dit de partir. Tu l'as vu déjà et tu es parti. Va-t'en. S'il te plaît, vraiment, la seule chose que je veux savoir, c'est comment il s'appelle, cet enfant. Va-t'en, Sébastien. Pars, tu lui fais peur. Ça va aller. Chut. C'est impossible, mon Dieu! Le copain de la vanne du pied! Et maintenant, que va-t-il se passer? Qu'il est beau, ton enfant, Thierry. Comment s'appelle-t-il? Du calme. Comment s'appelle l'enfant, Thierry? André Falcon. Je vous félicite. Il est magnifique, ce bébé. À un moment, j'ai cru que... Quoi?
Qu'est-ce que tu croyais ? Rien. Au revoir, Jerry. Que Dieu bénisse ton fils. Je vous souhaite bien du bonheur. Deux petites minutes et je vous rends ça. Ok. Messieurs, la musique est finie. La musique est finie car je vais dire quelque chose. Oui, j'ai quelque chose à dire. Je vais le dire parce que je ne suis pas une poule mouillée. Je vais me lâcher et envoyer un message spécial aux hommes qui sont ici. Savez-vous ce qui se passe? Généralement, les femmes vivent sur Vénus et nous sur Mars. C'est souvent comme ça pour moi. Merci. Mais il existe une phrase que j'aime beaucoup, qui dit « Messieurs, si vous partez le vendredi, ne vous cachez pas le jeudi. » Et j'ai rencontré une femme qui vit aussi sur Mars. Une femme qui vit sur la même planète que moi. Et je veux continuer d'en profiter. Viens ici, Corinna. On va se faire un petit câlin, d'accord? Tu veux m'épouser? Juancho, tu es devenu fou. Il y en a qui ont vraiment de la chance. Que se passe-t-il, ma grande? On se jette à l'eau? Oh, qu'est-ce que tu veux que je te dise, Juancho? Tu es vraiment fou, mais tu es unique. Bien sûr que oui. Oui, je veux me marier avec toi. Las cartas que me escribes, tu me pides que te entienda, que comprenda. No es difícil encarar tus sentimientos, que de veras para mí se echó un tormento. Mon ami, vraiment. Benjamin, je dois te remercier d'avoir accepté d'enregistrer le bébé sous ton nom. C'est vraiment... C'est peu comparé à ce que je peux faire pour toi, ma puce. La seule chose qui m'inquiète, c'est que le type insiste lourdement. Souviens-toi qu'il sait où te trouver. Ah non, non, Dieu s'y opposerait. Bon, de toute manière, nous sommes ici encore pour un petit moment. Bientôt, mon papa viendra nous chercher et nous irons de nouveau vivre dans le cœur de la jungle. Mais celui qui m'inquiète, c'est toi, parce que ta situation est plus compliquée encore. Tu sais bien que les hommes d'Attilio t'ont plutôt à l'œil en ce moment. Oui. Oui, ils sont persuadés que je sais où est ton père. Je sais que je peux finir comme mon oncle Caïman. C'est pour ça que j'ai pris une décision, Shari. Quelle décision? Je suis venu te demander de venir avec moi, toi et le petit André. Partons à l'étranger. Partir? Oui. Shari, je sais que ton père apprécie que les choses se fassent correctement. Et crois-moi, moi aussi. Épouse-moi, Shari. Épouse-moi et nous partirons loin de tout ça. Non, monsieur, éloignez cette mallette. Tu vas te reposer, s'il te plaît. Écoute, Sébastien, tu ne vas pas me traiter comme un grand malade. Tu m'as compris? Parce que je reviens juste de ma clinique, je viens de parler à mon médecin, et tu as parfaitement entendu ce qu'il m'a dit. Tu t'en souviens? Tu viens de l'entendre? Il a été très clair. Monsieur Caillot, vous êtes comme neuf. Entendu? Oui, mais de toute manière, tu vas te reposer, papa, ok? Et laisse ce travail pour demain. Allez, maintenant, mets ton pyjama, tu te couches et tu regardes un film. D'accord? S'il te plaît. Bon, c'est d'accord. C'est d'accord. Je vais le faire, mais à une seule condition. Tu m'écoutes? Ne va pas faire avec tout ça un scandale, tout un vacarme en le répétant à tout le monde. Non, allez, tranquille, papa. Mets comme une tombe. Merci, mon garçon.
Merci vraiment, merci pour tout, merci de... d'être venu me chercher, merci pour tes soins, pour ton attention et surtout, d'avance merci de me dire pourquoi tu fais cette aide d'enterrement, parce que tu vas me le dire, d'accord ? Quelle tristesse, papa, mon Dieu, ça, c'est de la fatigue, c'est de l'épuisement, hein ? Allez, au repos, d'accord ? Je vais faire de même. Ah, mon garçon. Comme si je ne savais pas que la grande Sabana t'a de nouveau complètement remué. Nous marier. C'est ce qu'il y a de plus sensé, Charlie. Écoute, ni toi ni le bébé ne peuvent vivre avec cette angoisse. Vous avez besoin d'un père de famille, et je peux jouer ce rôle. Benjamin, c'est que... Je ne t'aime pas. Mais moi, je t'aime. Et je te l'ai dit plusieurs fois, Charlie. Je sais que si nous essayons, avec le temps, l'amour viendra naturellement. Je te promets d'être patient et d'attendre. Bonjour, mon garçon. Je te rapporte des nouvelles, Charlie. Qu'est-ce qui se passe ? De mon père, n'est-ce pas ? Oui, mais pas très bonne. Oh, non. J'ai entendu dire que la police a fouillé la maison où ils se sont cachés. Ils les ont attrapés, dis-moi. Non, je suis sûr que Roquet l'a su à temps et qu'ils ont pu s'enfuir. Le problème, c'est qu'ils vont devoir rester cachés dans la jungle. Et tu vas pas pouvoir les rejoindre avant au moins un bon moment. Oui, mon amour, oui. Juancho, ils peuvent nous entendre. Tranquille, ma poulette, je maîtrise la situation et personne ne nous a vu entrer. Tu ne penses pas que c'est un peu trop risqué d'être venu ici ? Et que nous restait-il ? Que nous restait-il, hein ? Si tu as eu la grande idée de jeter les clés de chez toi dans les toilettes du bar, hein ? Écoute, du calme, hein ? Que nous allons bien dormir ici, toi et moi, comme deux petites marmottes. Et demain, on verra pour ton problème de serrure, d'accord ? Écoute, et cela s'est arrangé pour ton ex ? Oui. Maroudja est très généreuse, ma grande. Tu vas voir. Demain... Vraiment ? Elle a renoncé à ses actions, t'es sûr ? Demain, on arrange tout ça, tu vas voir. Et alors, on divorce, et toi et moi, on se marie. Stop. Maroudja, que t'arrive-t-il, ma fille ? Juancho t'écrit un satané je t'aime et tu deviens folle jusqu'à oublier que c'est un baratineur. Que se passe-t-il ? Ensuite, Maroudja, stop ! Regarde, ma fille, tu es une femme quasiment divorcée et tu dois aller de l'avant. Bon, je dois dire la vérité. Oui, va beaucoup me manquer, mon Juancho. Je vais même regretter, j'en suis sûre, l'odeur de sa blouse de médecin. Les sorties entre copains. L'affreuse salsa qu'il écoutait. Les longues réunions de travail. Maroudja, ma fille, tu es pathétique. Va comprendre, hein ? Imagine qu'il ramène ici, sous mon toit, cette cruche qu'il a pour maîtresse. Pense à ça, Maroudja, pense à ça. Non. Mieux vaut que tu penses à autre chose. Dois-je lui passer un coup de fil pour lui dire que je renonce à une nouvelle répartition ? Peut-être. Plus d'un divorce est soldé par un échec, par manque de compréhension. Oui. Je l'appelle donc. Ou j'invente quelque chose de mieux. Hein ? On va voir ce que nous avons là. Non. Ça, peut-être. Oui. C'est encore plus clair. Tu ne peux pas rester ici, Charlie. Avec moi, tu seras en sécurité. J'ai promis à Roquet que j'allais veiller sur toi et sur ton enfant. Non, Benjamin. C'est trop risqué pour toi. Alors, rester avec nous va te mettre en danger tout le temps.
Et tu ne mérites pas ça. Il vaut mieux que nous nous séparions, Benjamin. Tu sais parfaitement que si tu pars comme tu l'avais prévu, les hommes d'Attilio vont arrêter leur traque. Et ça, c'est ce que tu dois faire. Charlie, s'il te plaît, écoute-moi. Je ne pourrai jamais te laisser seul ici, si jamais il t'arrivait quelque chose. Et s'il arrivait quelque chose à André ? Par serein, Benjamin. J'ai juré à Roquet de veiller sur sa fille et son petit-fils. Et parole d'Indien fait loi. Merci, Benjamin. Sincèrement. Merci pour tout et... bonne chance. Peu importe ce qui arrive, Charlie. Tu seras toujours dans mon cœur. C'est bien meilleur que de manger avec les doigts. Tu m'en redonnes ? Bien sûr. C'était quoi ça ? Je ne sais pas. Ne parle pas. Juancho. Maruja. Ce n'est pas possible. Toi ? Responder a tanta inspiración y yo que con mirarla ya pierdo la razón. Palabras de corazón.